Salut, salut! Alors, on est chanceux. Encore une fois, on est super gâtés. On s'en va faire une activité. On s'en va au cinépark, les spectacles en musique. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. Dans le fond, c'est les deux frères qui sont en tournée durant cet été dans les cinéparks et autres endroits de la sorte. Fait qu'on s'en va à Broumont. Et nous sommes dans un Edge. Oh mon dieu! Nous sommes dans un Edge ST 2020 de Ford. Fait que c'est sûr que je vais vous montrer tout ça, mais là, honnêtement, je suis subjuguée. Premièrement, ça se conduit tellement bien. Mais avant, ça se conduit bien, là, mais ça se conduit ultra bien. Et je ne parlerai même pas de l'auto à Frédéric. Je la comparerai pas à ça. Olivier, tu veux-tu nous dire quelque chose? Je suis comme dans les rayons de soleil. Mais bref, c'est ça. Fait que ce soir, on s'en va se chercher un petit lunch. Puis après ça, on décolle vers Broumont, notre destination finale. Puis c'est ça, on est dans le Edge ce soir. On va bien s'amuser. On va écouter de la musique. Oui! On va danser, ça va être le fun. Oui. Aussi manger! Ouais, fait qu'on va vous montrer tout ça. On est enfin arrivé à Broumont. Yay! Dans 150 mètres tour. J'avais pas eu la chance encore de vous montrer l'auto qu'on nous a prêté pour aller voir le spectacle dont je vais vous parler aussi. C'était vraiment cool, honnêtement. On n'avait pas le droit de filmer, mais j'ai quand même filmé un petit peu parce que je voulais vous montrer un peu de quoi ça avait l'air. Puis honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de quoi de normal. Je sentais que je faisais quelque chose de normal pour une fois, là. Ça a vraiment fait du bien, pour vrai. C'était vraiment le fun. Ah, je vais vous montrer l'extérieur avant. Puis c'est ça, la première partie aussi, c'était super bon. Je me souviens plus du nom de la fille, par exemple. Je suis pas bonne pour retenir ces genres de détails-là, pour vrai. Je suis pas bonne avec les noms. Puis c'est ça, les deux frères, ils ont fait des demandes spéciales que les gens écrivaient sur leur page Facebook. Puis c'était super bon. Et c'était vraiment le fun. Les enfants, ils ont aimé ça aussi. Fait que là, je vais vous montrer le char. Je capote dessus, ok. Je commence par l'extérieur. Regardez-moi ça, c'est mag, là. Regardez-moi ça comme c'est beau. Non, mais c'est-tu beau, ça? Fait que c'est un Edge ST 2020. C'est ce qu'on nous a prêté. Et je vais vous mettre une photo ici. C'est drôle parce que c'est ça, l'auto avec lequel je suis arrivée à notre mariage à mon frère. Fait que c'est cool, ça fait un petit clin d'œil. C'est ça. Mon père, il avait ça avant. Oh my god, il fait chaud. Je vais démarrer l'auto parce que sinon, je vais mourir de chaud. Fait qu'encore une fois, oh, je vais fermer. Fait qu'encore une fois, dans l'auto, la technologie est vraiment impressionnante, là. Moi, c'est ce que je remarque avec Ford, dans le fond, c'est que c'est tellement, la technologie est bien faite pour être sécuritaire pour les familles puis tout. Fait que moi, je tripe vraiment là-dessus. Entre autres, caméra de recul, caméra en avant pour regarder comme s'il y a des enfants, un vélo ou quelque chose que les enfants auraient laissé traîner. Sur les côtés, avec les miroirs, il y a aussi comment t'appelles ça? Pas un lumineux, mais quand il y a quelqu'un dans ton angle mort, ça l'allume. Un clignotant, un truc lumineux, je sais pas comment dire. J'espère que vous m'entendez bien, mais c'est parce que on est comme en canicule en ce moment. Mais c'est ça, oui. Puis aussi, sur l'autoroute, ce qui est vraiment cool, c'est
encore une fois, je sais jamais comment ça s'appelle, mais le truc qui garde sur la voie. Fait que ça, c'est vraiment hot. Même chose pour le cruise control aussi, que tu peux te mettre à une distance X de la personne en avant de toi, puis que ça garde la bonne distance si jamais l'autre en avant ralentit, ça te ralentit aussi. Toujours une fois aussi avec le sync, qu'on peut venir associer notre téléphone, puis les commandes vocales et tout ça. Ici, là, la navigation, l'audio. En passant, le son, il est débile mental. Lors du show, c'était vraiment cool. Ouais, c'est ça. Puis, quoi d'autre? Ben, en tout cas, il y a toutes les applications et tout le tralala. C'est vraiment cool au niveau de la sécurité. Puis, il y a quelqu'un qui m'a demandé, parce que je vous ai montré dernièrement dans une vidéo Instagram, on a une story en fait, excusez, là, je suis comme de la misère à trouver mes mots. Je vous ai montré quelque chose que je ne savais pas avant, puis là il y a quelqu'un qui m'a demandé s'il l'avait dans cette auto-là, puis oui il l'a, fait que je vais vous le montrer. C'est niaiseux, hein, mais dans le fond c'est que, tu sais, le pare-soleil comme ça, là, on est habitué à le changer comme ça et tout, mais si vous le saviez pas, ce qu'on peut faire avec un pare-soleil la plupart des autos longs, c'est ça ici. Fait que ça peut aller plus loin sur le côté à cause que ça s'allonge. Puis moi, je savais pas ça. Puis dans ma van, ben, c'est quand même pratique là, parce que t'as quand même une grosse surface à couvrir pour le devant. Puis je suis petite, alors le genre de foncé en haut, il cache pas mes yeux. Fait que c'est ça. Sinon, quoi dire d'autre? Pour vrai, ça se conduit tellement bien. Là, tu sens pas comme. C'est super. Je sais même pas comment vous expliquer la sensation, mais tu sens pas quand tu vas plus vite ou quand, en tout cas. Ouais, Fred il l'aime bien. Il l'aime bien 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 gros, à vrai dire. Puis en arrière, je vais vous le montrer aussi là, mais il y a vraiment beaucoup d'espace dans le coffre. Fait que c'est vraiment pratique. Ceux qui sont assis en arrière aussi, ils ont beaucoup de place pour leurs jambes et tout. Fait que c'est vraiment bien fait. Puis il y a de l'espace aussi au milieu avec tous les compartiments et tout ça. Ici qu'il y a pour mettre verre et compagnie. Encore une fois, c'est une clé aussi intelligente là. Fait qu'il faut obligé de l'avoir. Il n'y a pas de contact avec une clé. On passe ici pour allumer. Puis tu déposes ton téléphone là, puis ça charge tout seul. Ça, c'est magique, les amis, là, parce que moi, il faut que je traîne mon fil, puis j'ai la misère avec ça. Fait que c'est ça. Puis il y a même une prise aussi. Je pense que c'est 10 volts, ça s'appelle. 15 volts, je sais pas trop. Une prise comme ça. Voilà. Fait que pratique aussi pour ceux qui doivent souvent se déplacer puis pour recharger leur ordi ou quoi que ce soit là, durant les déplacements. Fait que c'est vraiment cool. Bref, encore une fois, on a été super gâtés de se faire prêter cette voiture. Fred est allé aussi au travail une fois avec. Puis il était bien, bien, bien content. Fait que c'est ça, on est super choyés, super reconnaissants. Merci Ford encore une fois de nous avoir permis de faire cette activité-là. Puis c'est vraiment une belle voiture pour une famille plus petite, là, c'est sûr, parce que nous, on a quand même 5 enfants, ou comme deuxième auto. Puis aussi, encore une fois, le stationnement en parallèle, le stationnement assisté, je crois que ça s'appelle, qu'on peut faire. Fait que c'est vraiment hot aussi pour ça, là, pour ceux qui ont de la misère avec les stationnements parallèles. Salut! Fait que là, lors du show, dans le fond, on n'avait pas le droit, tu sais, de s'amener des chaises, genre, puis se mettre des chaises dehors, puis tout, mais moi, j'ai ouvert ben, je sais pas comment appeler ça, là, le toit ouvrant, ou je sais pas comment appeler ça, là. J'ai ouvert ça, puis dans le fond, les enfants, ils ont sorti leur tête. C'était quand même le fun. Ça aussi, ce que je vous dis, dans le fond, c'est vraiment grand. Tu sais, si vous avez à traîner votre poussette ou quoi que ce soit, le stock de camping, l'épicerie, peu importe, c'est vraiment hot, là. Voilà, si vous voyez, c'est quand même gros, là. C'est plus gros que ma van. Fait que c'est ça. Puis il l'a tué ici. Oh yeah! J'ai mis mon pied en dessous puis ça l'a fermé. C'est cool! Fait que quand t'as les bras pleins avec ton épicerie ou tes affaires, ton siège de bébé que tu traînes partout, ta coquille, t'as juste à faire ça avec le pied puis ça ferme. C'est malade, là. Je trippe tellement sur leur retour. On en a vu une. Puis là, j'ai plusieurs affaires à vous montrer.
parce que ben, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, puis il y a plein de projets que tu sais j'avais filmé puis que finalement ça avait pas fonctionné. Mon ordi était pas capable de reconnaître ma carte mémoire, fait qu'elle voyait pas les fichiers qu'il y avait dedans. En tout cas, j'espère que ça va pas faire la même chose cette fois-ci, sinon je suis dans le chenoute. Mais bon, je voulais vous montrer. Je me suis acheté une planche capote. C'est un philodendron monstera, là. Ok, il est vraiment beau. Je capote. Puis là, tantôt, je m'en vais me chercher un oiseau du paradis. Ça fait des grosses, grosses feuilles. Puis ça fait des super de belles fleurs, mais ça fleure pas tant souvent. Et puis moi, ça me dérange pas. C'est vraiment plus pour le look des feuilles. Fait que, voilà. Puis sinon, pour suspendre, on a cette petite nouvelle qui est mignonne. J'ai hâte de voir de quoi ça va l'air. Et finalement, je voulais aussi vous parler de notre projet base de lit. Que je vais aller vous montrer ça tantôt. Mais là, il faut qu'on empote toutes ces belles plantes-là. Puis j'ai aussi demandé à Fred s'il y a quelque chose à rajouter sur la voiture. Parce qu'il a plus conduit que moi au final. Là. Fait que s'il y a quelque chose que remarqué de différent par rapport aux autres qu'on a déjà essayé. Parce que on a essayé à date le F-150 Laria. On a essayé le Expedition. Moi, j'ai essayé le Explorer avec ma mère quand on avait eu le week-end zen avec Ford. Puis, c'est quoi l'autre que j'ai essayé? C'était une voiture hybride. Je me souviens plus. Faudrait que j'aille voir dans mes vlogs, là. Mais à date, c'est ça. Comme, ils sont tous super impressionnants. Moi, je capote sur la technologie, là. Je me sens... je sens qu'on n'a pas peur toute une voiture... technologique et sécuritaire par rapport à tout qu'est-ce qu'il peut avoir de sécuritaire dans les Ford, là. C'est juste débile, là. C'est fou. Pour les petites familles, je trouve ça ouais, à considérer fortement, je crois. Bref, il fait chaud dehors, ça n'a pas de sens. Je vais me reposer un petit peu dehors, puis après ça, on va aller arranger nos plantes. On va les rempoter. Faut que j'aille chercher des pots dans le garage. Puis c'est ça, je voulais vous montrer le meuble que j'ai trouvé sur le bord du chemin que j'ai ramassé, que je suis en train de sabler. Puis aussi la base de lit que Fred est en train de nous faire. Notre base de lit, elle tombe en morceaux, là, je veux dire. Les tiroirs, ils tombent littéralement. Puis c'est parce que c'est de la mélamine. Puis visser, ça n'a juste aucun sens. Là. Ceux qui sont militaires le savent comme moi, c'est comme les meubles Ikea qu'on transporte d'une place à l'autre. Là. Ceux qu'on doit démonter, en tout cas, là, ils tiennent pas la route, là, c'est vraiment pas fait pour être démonté souvent. Fait que c'est ça, on l'a quand même depuis, je crois, 2014. Fait que ça faisait quand même 6 ans, puis ça l'a fait 4 déménagements. Richemont, Saint-Hubert, Shannon. Ouais, ça a fait 4 déménagements. Fait que c'est assez. Puis on l'a fait avec du pain. Et je crois qu'il a acheté des morceaux aussi d'épinettes pour faire comme l'intérieur. Fait que, ben, je vais vous montrer cette photo. Alors, ça, c'est une partie du lit. Dans le fond, c'est deux côtés. Les deux côtés du bout, ben, comme à la tête du lit, puis au bout du lit, au pied du lit. Ça ici, ça va être pour les côtés. Dans le fond, il y a ce long morceau. Ici, ça va être rien. Parce qu'il y a nos tables de nuit, comme juste là. Puis ici, il va y avoir comme deux espaces de rangement en dessous, qu'on va pouvoir mettre des paniers ou quoi que ce soit. Puis ça va être fermé comme en dedans. Fait qu'il n'y aura pas de poussière qui va rentrer en dessous de mon lit. Puis il n'y aura pas de saleté qui va se déposer dans mes tiroirs comme ça se fait en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais il y a tout le temps des saletés dans mes tiroirs puis j'ai ça. Fait que ça va être super beau. Je sais pas encore si je le teins parce que dans le fond, ma table de chevet est cette couleur-là. Est comme juste bois. Fait que je sais pas encore si je le teins ou pas. Je trouve ça beau teint. Le seul problème, je trouve, c'est que c'est ça. J'ai ma table de chevet qui est pas teinte et j'ai aussi des genres de petites équerres en bois qui tiennent nos lumières à côté de notre lit.
qui sont pas teints non plus. Fait que, tu sais, si je teins quelque chose, il me semble qu'il faut tout que je teigne. Puis, faut tout que je teins. Et je trouve que, je sais pas, j'aime ça, le style qu'il y a déjà. Je suis comme un petit peu mitigée. Bref, je me pose encore la question. Sinon, ce meuble-là, je me souviens pas de vous l'avoir montré, je suis pas sûre. J'ai commencé à le sabler comme intensément. C'est une job. Ça a pas d'allure. Le top, il est tout fini. Il me reste les portes. Puis les côtés non plus, j'ai pas fini. Puis le bas, là. C'est ça. Fred est allé me chercher d'autres papiers à sabler. Fait que c'est pour ça que j'avais pas fini, parce que c'est ça, mais j'ai pas recommencé. Puis actuellement, c'est ça, c'est comme canicule après canicule. Fait que là, vous voyez, genre, je fais rien, puis ma face est en sueur totale. Fait que c'est ça, je vais le faire, mais qu'il fasse un petit peu moins chaud, parce que je l'ai fait dans le garage, pour mettre de la poussière partout, sur les autos, puis tout ça. Puis s'il pleut, ben au moins je suis à l'abri aussi. Fait que voilà, puis même chose pour le lit, là, on a arrêté parce qu'il fait trop chaud en ce moment. C'est ça, actuellement, comme dans le garage, c'est pire que dehors. Fait que je veux pas non plus qu'on se rende malade pour ça, là, tu sais. On a encore du temps. Là, je suis venue dans le garage parce qu'il faut que je regarde les pots qu'on a. Mais c'est comme toutes des pots d'extérieur pour nos plantes. Je trouve pas ça beau. Fait que là, je vais dire que ça à Fred, il sera pas content. Parce que ça veut dire qu'il faut que j'achète d'autres pots. Fait qu'il sera pas content. Mais regardez. Tu sais, tout ce que j'ai, c'est genre ça. Des pots d'extérieur. J'ai beaucoup trop de pots d'ailleurs, là. J'ai une chaudière au milieu, pis tout. Ouais, c'est encore un peu le bordel, là. Dans le garage. Mais bon. Maman, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ça, c'est pour mon lit. Regarde, papa, il a commencé à nous faire une base de lit. Cool, hein? Mm-hmm. Mais qu'est-ce que c'est? Tout le bois. C'est pour notre lit. C'est ça on que je t'ai dit. On va avoir un nouveau lit. Et ouais. Là, ton lit est on va tout le défaire. Il est tout brisé. Les tiroirs sont tout brisés. Tu te souviens? Bon. Kat, elle voulait que moi je vous parle de ce que moi j'aime du Edge. Fait que, elle a dit quand même beaucoup d'affaires. Elle n'a pas parlé. Il y a des wipers, des essuie-glaces automatiques. Là. En fait, là, quand ils détectent de l'eau sur le pare-brise, les essuie-glaces partent tout seuls. Il doit avoir on n'a pas regardé, il doit avoir un mode pour enlever les essuie-glaces automatiques. Kat, elle avait oublié de l'enlever quand elle est allée faire le véhicule dans un lavato. Puis elle s'est retrouvée avec les essuie-glaces qui n'arrêtaient pas de partir. C'était quand même drôle. Sinon, il y a une autre chose que je vais vous montrer. Fait que ici, vous avez pas mal tous les modèles Ford récents. Là, vous avez comme une charge automatique, là, donc vous faites juste déposer votre téléphone là-dessus, puis sans fil, ça va charger votre téléphone. Vous voyez qu'il y a deux prises USB ici. Vous avez une prise 12 volts du côté passager, juste là. Il y en a une autre en arrière. Dans la console là, centrale aussi, là, dans ce modèle-là, on a une belle petite place ici là, pour déposer du stock, puis une autre prise 12 volts. C'est quand même intéressant. J'aime aussi beaucoup de ce modèle-là. Sur l'autoroute, il y a vous avez le cruise control avec la distance sécuritaire que vous pouvez ajuster. Donc ça, c'est super intéressant. Dans le fond, s'il y a un véhicule qui rentre dans l'espace que vous avez pré-réglé en avant du véhicule, le véhicule va automatiquement ralentir pour laisser l'espace souhaité, là, pour que ce soit sécuritaire. C'est pas mal ça. Le système de son Bose fonctionne super bien. Là. On l'a essayé au spectacle quand on est allé, puis c'était super. Le son était écœurant. Quand vous arrêtez une lumière pour une certaine période plus prolongée, le moteur va arrêter de rouler, de tourner. Puis une fois que vous lâchez le frein, puis vous appuyez sur l'accélérateur, il va repartir. C'est ça. Il y a comme un mode sport. Là. Vous avez juste ici. Vous pouvez changer, même si c'est automatique, là, vous pouvez jouer un peu là, avec le véhicule pour
pour avoir une sensation de véhicule plus sport. On dit bye bye! On dit bye bye à l'auto!